Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Starbound V5, please the giraffe, chers amis. Donc on va faire un petit trou ici. J'ai dit petit, hein. Hop. Et crac, voilà. Et histoire d'être sûr de pas le louper. On va le remplir de lave. Ça va réchauffer un petit peu la région. Oula, on a un copain qui se fait taper, le pauvre. Ah non, il s'est fait assassiner. Il s'est carrément fait assassiner. Boum, dégage. Boum. On va prendre tout ça. Voilà, il y avait du soin à foison. Et on va toujours continuer à chercher. Ah mais non, dégage. Dégage. J'ai rien contre vous, les avianes. Alors, s'il vous plaît, venez pas m'embêter. Ne venez pas m'embêter. Vous savez quoi? Vu qu'on a la bonne arme. Oh! Il s'est remis sur terre! Je suis vexé! Ah, lui il s'y remettra pas. Ah merde, il est mort avant. Ouah, je suis à deux doigts de mourir aussi, dis donc. Ils m'ont fait si mal que ça. Ils m'ont donné des armes, cela dit. Ouais. Ouais, bon. Faire comme s'ils m'avaient rien donné, ce serait mieux. Ok, salut l'ami. Hop. Et toi, la machine. Hop. Raté. Hop. Crac. Les insectes, c'est bon. Le mec dans la prison, c'est pas bon. Il nous faut des coffres remplis de blueprints, chers amis. Ça m'intéresserait, potentiellement. Ou d'autres choses, hein, moi ça... C'est comme vous voulez, hein. Si vous avez d'autres choses à me donner, moi y a pas de souci, hein. Des armes légendaires, tout ça, 85, plus 1000 en force. Tout ça, ça peut être sympa. Je dis 1000 en force, mais je crois que... À l'époque de Cataclysme, on dépassait largement ces stats-là. Alors, je sais plus ce qu'elle faisait, celle-là. Ah oui, le gros coup d'épée. Boum! Une épée pour en séparer deux à la fois. Ok. Chose en l'eau, non, rien du tout. Par contre, ça serait bien de me filer des coffres, les mecs. Ça fait quand même quelques épisodes où on n'a pas eu de coffre. Ah, je suis suivi. Enfin, pas de coffre intéressant, en fait. Et ça m'embête. Ah bah, tu veux booster ou pas? Oh, bonjour. Vous avez une machine à café? Et du café dedans. Ah, merde. Y'a pas de café dedans. C'est tellement l'amour, le café, en ce moment. C'est ce qui me tient en vie, en fait, le café, en ce moment. C'est terrible. Toujours pas de coffre. Quelqu'un qui est passé avant moi sur cette planète, non? Ou quoi? Ah, ah, ah. Et raté. Dommage. What the... Ah oui, il y avait un petit bleu. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais point vu. Ok. Ok, ça m'intéresse. Oh, c'est nouveau ça. Oh, c'est sympa. Hop, un diamant. La santé. Rien. What the fuck? Alors j'ai... Ah d'accord. Hop. J'ai récupéré le micro-ondes. Sait-on jamais. Il pourrait se passer des choses. Avec la nécessité pardon, d'avoir un micro-ondes. Hop. On voit un coffre devant. Crac. Pour m'embêter. Hop. Rien de très intéressant malheureusement. On trouve rien en ce moment. Hein. C'est. Alors, c'est un bout de donjon, donc techniquement on va rien trouver dedans. Voilà. C'est bien ce que je disais. Hop. On va le faire fondre. Voilà. On est tellement beau, tellement mignon qu'on l'a fait fondre littéralement.
Hop là, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, te dis-je. Crac. Ah, je pensais presque que ça l'avait tué, l'espace d'un instant. Au bruit, j'ai eu un doute. Ok, on a ça aussi à visiter. Hop, bonjour. Non, rien d'intéressant. Récupère tout, mais il n'y avait rien d'intéressant non plus. Toujours pas de coffre. C'est la catastrophe. C'est la... Ah, j'ai rien dit. Non, 7 diamants, cela dit, c'est rentable. Je me suis fait quelques pixels la dernière fois dans la fin de l'épisode, chers amis, avec les diamants que j'avais. Oh, j'ai dû me faire 12 000 pixels ou un truc comme ça. Ou un peu plus, même. Potentiellement un peu plus. Ah, un coffre. Hop. Une épée super spin slash. Ok, ça me plaît. Ça, tu fais beaucoup de dégâts ou pas? 26, ouais, c'est pas épique. Hein. Une épée pour parer, une épée pour ça, une épée pour donner un gros coup. Et on va la mettre à la place du lance-flamme pour rigoler. On change un petit peu. C'est l'attaque de Link dans Super Smash Bros. C'est pas la bonne. Appelé. Ça fait autant de dégâts que celle de Link, franchement, on a l'arme la plus OP du monde. Elle est en 3, faut que j'y pense. Alors voilà un monstre. Oh, ça va être magique. Alors on va pas les déranger. Je vais pas avoir plus de morts sur la conscience, moi. Hello. Crac. C'est plutôt efficace. Hop. Pourquoi s'embêter? Et on a déjà fait le tour. What the fuck? Mais il n'y avait rien. What? Hop. Ah, il y en avait deux. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Hop là. Ah oui, parce qu'en plus on peut faire crac et crac. Super combo. Non. Tu pues. Tu pues. Tu pues, te dis-je. Il y a des plantes. Les plantes, c'est facile à casser normalement. Mais encore faut-il qu'on arrive à passer. Hop. Ça en fait des ennemis par là-bas. Hop. Lors de la fuite. C'est la fuite, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Rien d'intéressant. Hop. Un petit peu de santé. Eh oui. Hop les. Méga combo. Alors je pense honnêtement que celle-ci elle va avoir disparu. Ce petit pouvoir aura disparu dans la prochaine mise à jour, dans la 1.0. Pourquoi? Ben simplement parce qu'en fait les armes seront déjà capables. Certaines armes seront déjà capables de faire des combos. Du coup un combo comme ça en finale ou en complet total, ça peut être un petit peu trop dévastateur. C'est pas assez équilibré je pense, de mon point de vue c'est ça. Après on verra bien, hein. Je raconte peut-être des bêtises. On va la voir arriver, on va se dire ouais elle est encore là, génial. On verra bien. Aïe, bah non, on a fait de la distance là. Ouais, il y a de l'eau en dessous, c'est rigolo. Il y a 3 diamants sous l'eau en plus. Quelle idée de mettre des diamants sous l'eau. Remarque, c'est censé résister à la pression, hein, ça résiste à tout. Oh, j'ai toujours envie de tester un truc. Pas ça. Ah non, il bouge finalement. Il bouge finalement. Salut. 3 diamants. C'est la récompense lambda, 3 diamants. J'ai cru voir un coffre. Non, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête que ça se passe, chers amis. Il commence à être triste. Boum. Boum. Crac. Voilà, je l'ai... mince. Adoubé. Laisse-moi t'adouber.
Boum. Je voulais pas. Oh, bonjour. Oh, il a un shotgun, le sac. Aïe. Ok. Tu connais Link? Ah bah non, c'était pas la bonne. Dommage. Hop là. Ça c'est fait. Oh. Oh oh oh. Un nouveau. Donc il faut bien fouiller les coffres des biomes. Un nouveau boomerang, le Molten Boomerang. Et je crois qu'il est possible qu'on ait ce qu'il faut pour déjà le construire. C'est possible. Alors il va nous falloir un boomerang. Les Molten Core de mémoire. Non, c'est pas ça. Je croyais que c'était ça. Merde. Bon, on va le prendre. On verra bien. Hop. Oui, c'était bien ça. Ok. Génial. On a une nouvelle arme. Celle-ci. Oh. Et donc ça fait que quoi? Il fait quoi ce truc? Parce que si c'est juste faire prendre fluff, enfin... Je vais vérifier, mais s'il fait juste des dégâts de feu... Comment ça s'appelle? Je le sens mal. Si c'est juste des dégâts de feu... Voilà, c'est juste ça. Il fait des dégâts de feu. Et apparemment, il y en a un de glace aussi. Je vérifie, mais... C'est ça. Il y a le Frozen Boomerang aussi. On a le Molten. On a le Lunarang. Au niveau des chakrams, il nous manque encore le Hard Chakram, il me semble-t-il. Ça me dit rien. On va regarder vite fait si on l'a, mais... Chakram, voilà, il nous manque le Hard Chakram et le Neo Chakram. Ah non, le Neo, on l'a. Donc il nous manque juste le Hard Chakram. Au niveau des boomerangs, on a ce qu'il faut, sauf le Frozen. Alors, il nous manque certains gants. Hein. On a le Vine Fist, on a le Stun Glow, on a le. Alors le Brass Knuckle, je sais pas s'il est déjà implémenté. Donc il nous manque le Brass Knuckles. Le Boxing Glove, il est disponible aussi? Oui, il est aussi. Les Boxing Gloves, on doit les avoir normalement quand on craft ça sur un Yarn Spinner. Bon bah apparemment il nous en manque encore quelques-uns. Hein. Les Energy Javelin. Ça a l'air sympa ça. Il y a plein de petites armes sympathiques à mon avis dans ce jeu qu'on n'a pas encore découvertes. En tout cas, on a encore quelques armes entre guillemets à découvrir, craftables entre guillemets à découvrir. Mais ça, on verra ça dans un prochain épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.